Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur nous aujourd'hui. Nous venons parler de une grosse réunion qui était faite hier jeudi au niveau de sécurité des Nations Unies et Haïti était au premier plan. Nous avons gagné Hélène Laline, je nous relais là, qui est top officiel envoyé spécial des Nations Unies en Haïti, qui vraiment a décrit la situation dans le pays d'Haïti. Et il déclarait mot pour mot que Haïti besoin aide, mais de manière immédiate. Comme quoi dire, yo pa katan. Envoyé spécial, là, vous avertissement jeudi, que la police, là, de manière immédiate, besoin aide pour la bataille contre crime et violence. Il souligne que gang yo, jeudi, a vin tellement puissant que récemment, yo arrivé prend contrôle tribunal de première instance de Port-au-Prince. Vous comprendre que l'événement, ça en pile. Acte international, est-ce que ça pas ta suppose dernier goutte d'eau qui pour faire déverser les vases? Parce que ça montre exactement ça nous relève aux prises totales du territoire par ces gangs. Et là, la ligne top officielle Nations Unies en Haïti dit insécurité a li rapidement vin détériorer dans pays, d'Haïti qui gagne presque 11 millions de monde avec en moyenne 7 kidnappings par jour. Dans le mois de mai seulement, Hélène Laline a parlé au niveau de sécurité des Nations Unies, gros union t'a fait. Il déclarait que pour le mois de mai seulement, il y a à peu près 200 personnes qui mourent, 198 qui ont kidnappé d'après rapport. Les gens ont kidnappé, il y a des bus qui remplis avec Timoun, il y a 3 personnels au niveau des Nations Unies, ainsi que Timoun, en fait, petit tout. Il y a un staff local qui a perdu la ville. Pendant que Gangyo t'a frappé, t'a pété balle, d'après le rapport Conseil de sécurité des Nations Unies. Son situation qui vient vraiment montrer que les insécurité a vient détériorer, exacerber, qui montrer inhabilité pour adresser la situation, non sans d'arrêter, une impunité manifeste criminelle qui tellement à l'aise pour agir libre. Côté que je ne dis pas, est-ce que nous sommes capables de parler justement, Jean-Pierre Moun dit, à état de droit. Comprenez bien? Et Jean-Pierre Moun qui dit pas fait tel bagaille, pas bagaille. Mais comment vous parlez? Bon, on parle de état de droit. Ou instance côté pour vous juger, prendre des décisions, mon criminel Kembel. Est-ce qu'on parle de état de droit dans ce moment-là? Bon, je ne dis à tout, on demande au monde qui fonctionne en Haïti, est-ce qu'il y a un droit sur ça? Dit, puisque l'État. Il n'y a pas gagné quel état qu'a défendu. Ok? Et maintenant, et nous voulons dire que l'avertissement ça yo vini, en fait, réunion ça à côté, et Hélène Laline a décrit ba yo, li vini justement quelques jours après gang ça yo, justement, target tribunal de première instance dans la capitale pays ya, côté nous tout connaît, nous connaît nouvelle là déjà, yo déchepillé. Boulet des séries de dossiers, de pièces à conviction. Autorité et tout mettez d'accord, principal responsable là c'est gang 400, gang et 5 secondes. Et nous connaît qui dirigé par ISO. Et représenter quantité de temps qu'il prend pour en fait qui montrer que nèg ça vient assez puissant. Nèg ça qui contrôle le village de Dieu qui trouvé li dans entrer en fait capital là côté nous connaît jodi a on connaît monde pas passer là sans pas payer gagné commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine il déclarait dans journal à société de presse que jusqu'à présent l'attend que la police nationale qui pouta par contre il comprend lire de la l'attend pour la police nationale ta vienne reprendre contrôle du tribunal là pour te caillou même évaluer dommage et situation pour le moment n'a parlé là. Et l'hypoco clair que justement place à l'état contrôle l'état toujours et en bas contrôle gang yo que toute parole qu'a parlé la Fontan ajouté pendant que service dans tribunal de première instance là discontinué après gang yo t'est justement et prend Kodaus en otage yo
dit que yo t'a commencé d'autres bagages gouvernement dans d'autres buildings. Vous essayez de comprendre, yo obligé. Meanwhile, et gen un matin qui a dirigé association de Klekyo, il déclarait dans cette presse que gang yo détruit tout document. Yo et qui empêchait avocat juge en fait yo empêche pour aller dans officio. Il déclarait autorité yo a essayé ouais si était capable retirer justement des dossiers importants. Et donc voilà une situation qui en dit pas connait qui j'ont ta décrit là. La grande question et qui en fait qui ça n'attend comme dernier goutte d'eau en fait ça qui dit que aussi les amis d'Haïti qui ça encore attend pour comprendre que nous pas qu'attendre et que effectivement nous besoin un coup de pouce pour nous sortir et dans état là puisque nous vraiment pas capable parler de état de droit dans moment. Vous pouvez comprendre tout n'a pas parole qu'à parler soit pour ta mettre Aristide ou bien n'importe l'autre monde. Ça pas blé dit n'a marinade si que moun ça a pas gagné la force brute et pas n'importe force on va une clair journée aujourd'hui. Et nous toujours dit le boy ici là. Il faut une force brute et il faut mettre la loi en suspension. Nous mettez la loi en suspension pour un petit temps pour nous correspondre avec vagabond et reprendre le contrôle pays ça. Vous êtes clair en parlant de Aristide ou bien ou de qui doit parler. Pas qu'on ait n'importe l'autre leader qu'on t'a voulu parler. Li pap arrive accompli en yen s'il pas gagne une force brute pour résoudre et ça la situation que ni là et maintenant la ligne des Nations Unies dit gang yo créé yo ça relé un état de terreur dans pays ça. OK, li jou voye doit li sous instabilité ça relé yon vacuum, un vide institutionnel que nous connaît qui pas gagner et en ken moun ki élu nan moment. Et Haïti kap fonctionné depuis bien des années sans parlement et sans président et sans véritable problème. Et Hélène Laline averti que proposition et pour pays a ta avancé et pas gagner là qui pour passer, OK? Et donc gen yon mission que la Haïti a senti que le BUNI, li clair que BUNI n'est pas effectif, li clair que BUNI li pas répondre avec et justement réalité et problème que Haïti a confronté. Li clair si pour yon parler de continuité de yon mission des Nations Unies en Haïti, c'est pas BUNI la pied. Li pas ka BUNI parce que autrement, c'est passé moun nan bêtise. BUNI dans sa conception, c'est des moun k'ap ba anti formation, nous besoin vraiment un support. Tout bon vrai. Pour que nous capables et eh bien remettre les gens mon pièce et reprendre et contrôle pays. Les États-Unis et d'autres acteurs ont tout observé que situation ça fait qu'il y a un pile haïtien qui désespéré prend sa ndarele des voyages pour la mort qui mourit en bas de l'eau qui mourit dans des conditions et vraiment et affreux parce que tout simplement yo pas ouais espoir. Et moi dernier, je t'ai parlé nous 11 femmes en fait, yo fait que ça fait entièrement yo là non, Porto Rico, non voyage, j'étais gain entre 60 à 70 moun. Et gain ti moun là dans tout qui mouri. Et donc voilà situation j'en lié là. Donc Hélène Lalinde qui t'a parlé aux États-Unis qui dit que il y a un besoin urgent. C'est toujours gain elle. Même penser que dernière action, ça a eu un tribunal de première instance qui actuellement les mains des bandits et au senti. Et en fait, il y a des problématiques qui sont au senti. L'État a dit ah, nous ne pouvons pas avec des nègres. Donc, les nègres pas avancé, toujours les nègres qui ont contrôle. C'est terrible. C'est terrible. Maintenant, on a dit s'il vous plaît, mon qui a les doigts humains, quand on ne parle pas les doigts, dans le qui ne parle pas les deux états de droit, ça là. Moi, c'est faux, on a répondu sérieux. Donc, aucun tribunal de première instance qui. Eh bien, contrôlé par des gangs et on parle de l'état de droit. Donc voilà, guys, justement, nous te voté update ça pour nous. C'était un véritable plaisir. Pas oublier toujours. Restez connecté avec Palmis Akma pour la caille. Bye bye tout le monde.